Les mois passent mais la douleur est toujours aussi vive, au sein de la famille royale d'Angleterre. Le roi Charles III, qui a très récemment dû dire goodbye à sa maman, la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dernier, rend désormais hommage à tous les soldats britanniques décédés pendant la Première Guerre mondiale de 14-18. L'époux de Camilla Parker Bowles a ainsi assisté à la vibrante cérémonie du Remembrance Sunday, le 13 novembre 2022, cette fois-ci en tant que monarque, au cénotaphe de la ville de Londres. Siestie sur sa balcon que la reine Elisabeth avait l'habitude de se recueillir. Le roi Charles III et sa famille, la princesse Anne, Kate Middleton et le prince William notamment, rendaient hommage, un peu plus tôt, à l'engagement de la reine Elisabeth II auprès des vétérans de guerre, le vendredi 11 au soir. Le 13 novembre 2022, à 11h du matin, le Royaume-Uni s'est retrouvé plongé dans le silence pendant 2 minutes. Le souverain était accompagné, en cette occasion, du Premier ministre Rishi Sunak, qui vient de succéder à Liz Truss, ainsi que de Sir Keir Starmer, Suella Braverman, Penny Mordaunt ou encore du maire de Londres, Sadiq Khan. Kate Middleton et la reine consort Camilla ont assisté à la cérémonie et aux parades depuis un balcon du district de Whitechapel.